梦个真个话咦，个话真个呀，个梦个真个话咦，个话真个呀，个梦个笨的话咦，个话笨的呀，个梦个笨的话咦，个话笨的呀，耶啦啦啦噜，耶耶耶耶。Connectez-vous et partagez. J'ai quelque chose à dire. Parce que vraiment, on ne peut pas tuer l'enfant de Chloé devant moi. Je reste et ne dis rien. Moi, j'ai la crainte du Seigneur. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Cocola Golf Phoenix TV. Voilà. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le mot phénix, sachez que le phénix est un oiseau vraiment mythique et mystique. Qui renaît toujours de ses cendres. Ça veut dire que vous pouvez le calciner, vous pouvez le brûler, vous pouvez verser les oiseaux, vous brûlez et tout. Vous partez, vous pensez que non, là, c'est fini. L'oiseau l'est brûlé, calciné et tout, tout. Il va renaître de ses cendres. C'est moi le phénix. Voilà. Donc c'est moi. Connectez-vous. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis sortie faire les courses avec l'enfant. Vous savez, c'est les vacances. Donc, j'ai un petit mot à dire. Hein, voilà. C'est au sujet, je ne vais pas vraiment tirer de long à large, c'est au sujet de ce qui se passe avec la chanteuse Kabel Belinga. Voilà. Donc, bah, les gens se connecteront après. Voilà, les gens viendront après et tout, ils vont écouter en différé ou sur YouTube. Vous savez, dans la vie, lorsque vous voulez réussir, évitez de faire du mal aux enfants des gens. Et même quand vous avez heurté des gens, quand vous avez fait du mal, sachez demander pardon. Je le dis ici tous les jours, le pardon affranchit. Le pardon affranchit. Si tu demandes pardon, tu dis, ouais, mon frère, j'étais heurté. Ouais, ma soeur, même si c'est quoi, même si c'est un problème des milliards. Nous sommes sur Terre. Hein? Le matériel, c'est rien. Puisque... on cherche ce matériel, nous sommes prêts à tout pour ce matériel, mais quand nous partons comme nous sommes arrivés sur Terre, donc sans rien. Même les milliardaires, quand ils meurent, ils partent sans rien, ils partent sans matériel. Donc quand tu as pris, tu as spolié quelqu'un à la hauteur de 100 000 euros, tu ne sais pas comment la personne a fait. Qu'il y a les gens ici qui travaillent, ils ne gagnent pas grand chose. C'est le mois c'est qui dit que non, je vais acheter le congélateur chez moi. Le mois prochain, il va acheter le frigo. Le mois prochain, il y a des gens qui se privent pour pouvoir meubler leur maison. Toi, parce que tu es en colère, on ne comprend même pas quel genre de colère, tu décides de dilapider, de mettre le feu, d'incendier tout ce qu'une personne a pris des années à amasser. Et comme si ça ne te suffisait pas. Mais non, il faut que tu ailles raconter que la personne ne vaut rien. La personne est une mendiante. La personne est une clochade. La personne n'a jamais rien fait, rien fait, rien fait de sa vie. Mais le Dieu d'aujourd'hui, comme le Dieu d'aujourd'hui là est ce qu'il est. Il relève la personne. Il redonne x2 à la personne. Multiplie plus même que ce que tu as fait à voler à la personne. Même comme ça, ça ne t'arrange pas. Il faut que tu continues de poursuivre la personne. Il faut que tu continues à faire croire aux gens que non, elle n'est pas comme vous voyez là. C'est comme ça, c'est quoi? Lady pense, tout le monde, tout le Cameroun maintenant te connaît. On connaît ton mode opératoire. Moi-même, quand j'étais derrière toi et attaquais les gens, tu étais toujours derrière, en faux profil. Tu ne te présentes, c'est ces derniers temps que tu attaques les autres, là, les petits, là, les coachs, machin, les machins et tout, mais tu te mets toujours derrière. Donc, si Amazon sort sur moi, qu'elle sort sur Kabel, c'est toi. C'est automatiquement. Automatiquement, parce que cette fille d'Amazon, je ne l'ai jamais vue de ma vie, je ne la connais pas. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle me harcèle dans une histoire que moi, j'ai un problème avec toi. Mon direct de maintenant... c'est pour dire aux Camerounais que vraiment, ayez la crainte de Dieu. Si vous voyez ma vie là, que j'ai pu me relever en un temps record, et même que je ne montre rien. Tout ce que je montre, c'est mes nourritures que je mange, ou quand je n'ai pas fait mes petits trucs, ou bien mes TikTok, c'est tout ce que je montre. Mais ce que Dieu
a fait dans ma vie et ce qu'il est en train de faire dans ma vie, c'est parce que j'ai les mains propres. C'est parce que je n'ai jamais fait du mal à l'enfant de quelqu'un. C'est parce que je ne peux pas me lever à aller mentir sur quelqu'un. Et moi, les 40 jours que j'ai passé à Lourdes, un pèlerinage inédit pour une jeune femme de mon âge, que je suis allée m'asseoir dans un endroit saint. Attendez. Si je mets la clim là, ça, y a le bruit. J'ouvre un peu ce. Attendez, excusez-moi. J'ouvre un peu. Attendez. Que je positionne bien la caméra et que j'ouvre un peu. Et que moi, j'ai passé un pacte avec Dieu. J'ai dit à Dieu que Seigneur, on m'a déjà enterré. On m'a déjà tout dit. Regarde, on m'a tout volé, tout ce que tu m'as donné. Même mon enfant est maintenant placé chez son père. Papa, s'il te plaît, aie pitié de moi. Restaure-moi. Restaure ma vie. Que je sois ton témoignage vivant sur terre. Je me donne comme l'agneau du sacrifice à toi. Prends-moi un sacrifice, Seigneur. Je suis ton sacrifice sur terre. Que ta gloire se manifeste sur moi. Restaure-moi, papa. Restaure-moi. Mets ta lumière à moi. Que je reparte voir tes enfants. Regarde, papa. Utilise mes réseaux sociaux, mes plateformes. Que quand je vais me connecter comme ça, tes enfants dans le monde entier qui ont des problèmes vont comprendre que non, Satan ne dirige pas le monde, mais que c'est toi. Que tu peux prendre une personne qui était à terre. Que la mort avait déjà enrôlé, qu'on lisait comme ça là, la mort sur elle, tu remets la lumière à elle, tu la relèves, tu la nettoies de tout ce qu'il y a de sale sur elle, tu la positionnes dans la société. Je te promets que je ne vais jamais faire du mal à l'enfant de quelqu'un, je ne vais jamais mentir. Je ne vais jamais en paix où on fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Je vais toujours dire la vérité. Même si c'est sur moi, même qu'il y a quelque chose sur moi. Moi-même, elle est venue en public, elle va raconter en public que comme vous voyez là, hein, c'est comme ça. Donc, je ne peux pas me taire lorsqu'on veut crucifier l'enfant de quelqu'un. Kabel Belinga. Excusez-moi. Comme j'ai un peu tourné la caméra là, donc. Elle est pas un genre. Il y a un déferlement de haine sur la chanteuse Kabel Belinga que je n'ai jamais vu de ma vie, que je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais eu au téléphone, je n'ai aucun contact avec elle. Donc, Lady et sa bande et sa chaîne de chasse là, sa tireuse d'élite, hein, qui n'a que les insultes bizarres dans la bouche, alors quand même elle est sale. Maman, voilà une femme qui veut que moi je me frotte à elle. Maman, elle ne peut pas me frotter à toi, tu es trop sale, pardon. Aïe! Moi je dîne à la table des rois de ce monde et tout, des familles, des grandes familles de ce pays. Si tu veux que je me frotte à une pourriture comme toi qui mange les ailes de poulet dans les circuits, maman. On est pareil, c'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux là, hein, et tout, hein. Hein? Je m'en fous de que Kabel, laissez Kabel tranquille. Ce n'est pas Kabel qui me donne des informations sur Lady. Le petit frère de Lady est venu l'autre jour ici. Oui. Tout seul protège est venu ici depuis des mois. Vous me voyez avec tout ça. Fait au moins un an que moi je suis avec mon petit frère là. Je prépare le héros. Il vient, il s'assoit, il mange. Il a moi, c'est mon petit frère. Il envoie même faire mes livraisons. Il part me livrer la nourriture. C'est mon petit frère. D'accord? Il est sorti ici. Il vous a dit qu'il avait des choses à dire sur Lady. Il vous a dit ce que Lady lui a fait. Et tout. Vous prenez tout ça, vous mettez de côté, vous voulez poser ça sur Kabel, que c'est Kabel qui me raconte les choses. Hein? Attaque-toi à tout seul. Attaque-toi à Protein. Pourquoi tu ne t'attaques pas à Protein? Prépare crasse. Kabel m'a déjà appelé plusieurs fois. Que mon Dieu te maudisse. Que mon Dieu prenne, ça dit. Les malchances de la, c'est-à-dire de toutes mes nièces, de tous mes neveux, de tous mes oncles, de tous les membres de ma famille. Je prends comme ça avec le soleil tout ce qui devait arriver de mal à ma famille. On met sur toi. Crépin, gans, même comme tu as un faux profil. Je t'envoie un lien karmique que tu ne pourras jamais déceler. Aucun prêtre, aucun pasteur, aucun marabout sur cette terre-ci ne va te délaisser. Là, ça dit, les ténèbres font irruption dans ta vie instantanément parce que tu mens. D'accord? Ne venez pas mentir, hein? Parce que vous mentez.
Je ne comprends pas. Votre Lady Ponce a passé son temps à mentir. Regardez ce qui arrive dans sa vie. Et vous continuez à venir sur les réseaux sociaux, mentir, manipuler les Camerounais. Tu viens à faux profit, tu dis que Kabel m'a appelé devant toi plusieurs fois. Pourquoi vous mentez comme ça? Que mon Dieu te frappe. D'accord? Si tu as les enfants, qui frappent tes enfants? Qui frappent tous les gens autour de toi? Ne pense pas que parce que je te maudis, bien sûr que je te maudis. Moi, je suis un être de lumière. Hein? Je te maudis parce que tu viens mentir. Et je te maudis et ça va te prendre. Je vous ai dit que ne venez plus mentir sur moi ou bien mentir dans mes affaires. Mieux, vous ne parlez pas. Bah, tu viens mentir là et te maudit et ça va te prendre. Et ça prend les 10 ponts, ça vous prend vous tous dans votre bande. Je vous ai dit qu'arrêtez de mentir. Arrêtez. Mieux, vous ne répondez pas. Mieux, vous ne vous frottez pas à moi. Arrêtez de mentir sur moi ou de mentir pour que les Camerounais détestent les autres. Vous ne pouvez pas vous acharner sur Kabel. Elle m'a dit où, quand. Elle me parle où, quand. Protem même est venu en public dire aux Camerounais que c'est moi, je vais passer dans l'émission de Coco. Vous prenez Protem, vous mettez à côté parce que vous savez que si vous attaquez Protem, il va sortir sur vous jusqu'à pas. C'est pas fini. Hein? Il s'est désactivé sur Facebook et tout. Mais mettez son nom, vous allez voir. Ça te touche, Lady Ponce, ça te touche bien même. Tu es où? Tu fais combien de concerts par mois? Hein? Tu payes tes impôts en France? Tu vis où? Tu avais un petit avocat? Tout est chaud. Tu brilles là, c'est seulement les marquettes de maquillage qui sont sur toi. Briller là, on voit les cartes bleues qui sont dans ta poche. On te voit monter, tu t'assois dans les vrais, tu fais le vrai shopping. Tu vois, pas les voyages que tu voyages quand on t'invite dans les associations. Tu brilles ou tu ne brilles rien du tout. Si tu brillais, tu ne serais pas jalouse des autres chanteuses. Si tu brillais, tu ne monterais pas tes équipes, ton équipe de cybercriminels là, à t'attaquer aux gens. Une personne qui brille ne s'attaque pas aux gens. D'accord? Une personne qui vit dans l'opulence et tout. Voilà, Fepengan, Akaprotein ne peut rien, on a des vidéos de partout. Finalement, dans votre clan. En fait, Crépin, il va te dire, toi, tu dois être petit américain ou bien bamileke de luxe. Parce que derrière les 10 pensées, il va vous dire, il n'y a plus grand monde. Hein. Personne ne peut plus venir sur les réseaux sociaux comme le faux profil si bien est raconté. Donc derrière les 10 pensées, nous avons bamileke de luxe et nous avons petit américain qui est caché quelque part avec le pied qui est en train de pourrir et puis elle-même. Voilà. Donc, tout ce que vous faites là, tu dis que Lady Ponce brille, si elle brillait vraiment, hein? Elle ne serait pas allée porter plainte, elle ne serait pas allée mentir, et toujours continuer, c'est-à-dire vous mentez sur les gens. Vous n'avez aucune vidéo de partout sur Protet. Protet a une femme et un enfant. C'est un petit garçon gentil qui a un boulot. D'accord? D'ailleurs, il est en train d'attendre sa licence de trucs là pour faire ses trucs... son taxi dans Paris. D'accord? Il va avoir sa licence. Il va l'avoir là dans quelques jours. Je pense même qu'il a déjà eu. Protet a une vie. Il a une femme. Il a un enfant. Arrêtez de raconter aux gens. Finalement, dans votre clan là, tout le monde est lesbienne. Tout le monde est mendiant. Tout le monde est pédé. Tout le monde est sale. Tout le monde a le sida. Tout le monde a signé. Tout le monde a signé. C'est seulement vous qui êtes bien. Mais on voit vos vies pourries. On voit comment votre patronne est pourrie. Donc, foutez la paix à Kabel. C'est pas Kabel. D'accord, qui me donne les informations. Protet est venu là devant vous, il a donné les informations, les Camerounais ont entendu. Donc, arrête de chercher un bouc émissaire. Protet, c'est un gros PD, c'est sa femme qui ne le sait pas. Bien sûr, quand Protet va encore sortir sur toi, il dit, pense, parce que ça, c'est la façon que Bamileke de Luxe écrit et Petit l'Américain, parce que vous jonglez entre les profils là. Continuez à dire que Protet est un gros PD, mais après vous irez pleurer que oh, Protet veut venir vous tuer en public et tout, machin, truc que Protet veut finir la carrière de sa soeur. Attaquez-vous à Protet. Laissez Kabel tranquille. Kabel n'est pas la première Camerounaise qui se marie et que son mariage se termine, quoi. Ah ben ouais, nous tous, si la maman, on a déjà eu combien, on a déjà été combien de fois en mariage. Hein? Il y a des gens ici qui ont même déjà divorcé en vrai, marié 7 fois, divorcé 7 fois. Ça n'a pas fait autant de tapage. Si ça ne va plus, vous ne vous entendez plus, vous vous séparez. C'est tout. Pourquoi vous voulez venir vraiment faire chier les gens avec ça? Eh, la première chanteuse ou bien musicienne qui se sépare?
Hein? Foutez-lui la paix, elle m'a jamais rien dit. Elle m'a jamais appelé. D'ailleurs, Kabel, mon numéro c'est le 0601 87 55 03. Appelle-moi. Parce que tu es même ma voisine. Tu es à 45 minutes de moi là. Oui, on m'a dit que tu es du côté de trucs d'après l'aéroport là. Et tout. Et demain, ma voiture vient te voir. Et c'est oh, ha, et te prend, on va à la maison où je m'assois chez toi et bois. Pas besoin de me cacher. Je ne suis pas dans les amitiés ou bien dans les choses que je dois me cacher par derrière ou bien truc. Oh, ha, je te prends comme ma petite soeur. Bien même. La personne que ça énerve, va, je sais pas quoi, saute et cale en l'air. Vous n'allez pas interdire les gens de ne pas être amis, de ne pas se fréquenter, de ne pas essayer de se reconstruire à cause de vous. Coco, toi-même, tu sais que tu n'avais pas aménagé. Là, il continue de mentir à la hauteur de 100 000 euros. Tu continues de mentir. Je dis, crépin, tu ne comprends pas que la vie de Lady Ponce est en train de sombrer, qu'elle a déjà perdu plus que moi à cause de vos mensonges. Je dis, arrêtez de mentir. Je le redis ici devant les Camerounais que plus vous allez continuer vos mensonges sur moi, sur mes affaires que je réclame. Plus, Lady Ponce, vous allez avoir dans quelques temps, elle sera zéro et lent à terre. Donc, oubliez-moi. Ne me regardez pas. Si elle fait mes choses, je marche avec les gens, je me lie mes amitiés et tout, n'allez pas attaquer ces gens. Parce que plus tu continues à mentir sur moi, Dieu va vous frapper. Pas vous, Dieu va frapper votre Lady Ponce. Parce que toi qui es derrière le faux profil là. Tu penses que tu aimes Lady Ponce. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Je prononce son nom Lady Ponce, Lady Bangala, Lady Souillou, Lady Voleuse, Lady Souris, Lady Sorcière, Lady Diablesse, Lady Tueuse en série. Je prononce son nom. Oh, ah. Je ne vais jamais la laisser tant qu'elle ne sort pas pour parler, pour dire où elle a mis mes choses. Tu parles de quoi? Il a dit que la pierre tombale de mon père est ancrée dans sa vie. Encore son ennui, tant que tu continues à mentir et à t'attaquer aux gens en mentant, la pierre tombale va faire son travail. Je verse un verre d'eau chaque matin. Dès qu'elle me lève et parle à personne, je prends le verre d'eau, j'invoque mes ancêtres, mes aïe, Annie, à Corson. Encore son attaque, mais je me suis nié. Un tangue la tonne, il pion. Un tangue ta vanille pour parler, pour dire, même pour s'excuser seulement. Et je vais reprendre ce même verre d'eau que je vais verser. Il va dire que je te pardonne. Tout pourra redémarrer pour toi. Tu as déjà un mandat d'arrêt au Cameroun. Ce qui va t'arriver ici en France, tu ne sais même pas. Donc arrête de t'attaquer aux gens. Parce que dans la vie, on dit ne regarde pas où tu es tombé. Regarde où tu as glissé. Parce qu'avant de glisser là, ça dit, tu cours alors, tu cours même d'avoir ton pied. Ou tu glisses sur une peau de banane et tu pars tomber là-bas. Ah oui, parce que là tu envoies tout le monde. Tu pars accuser la fille de tuer parce qu'elle est mariée à ton petit neveu. Tu gâtes, machin, truc, blague. Ben qu'est-ce qu'on en a foutu? Ton neveu même là c'est qui? Nous on a vu ton neveu là ici quand Katine est venue chanter dans ton cabaret et qu'elle est sortie, qu'on l'a empoisonné. Le gars qui était à côté, assis à côté d'elle là, c'est ton neveu. Ah oui. Ceux qui se souviennent, parce que vous avez tendance à oublier où vous êtes là. Le jour que maman Katino est partie chanter au temple des ténèbres, le lendemain, elle est venue sur Facebook dire que pourquoi tu empoisonnes les autres. Et si je mens, dites-moi. Qui se souvient? Répondez avant qu'on continue, s'il vous plaît. Continuez. Maman Katino était sortie quand elle avait chanté ou la veille. Qu'est-ce que maman Katino avait dit? Répondez. Parce que les gens pensent que nous on oublie. Hein? Moi je suis un pentium. Ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. Vous avez une fille sur les réseaux sociaux là qu'on appelle Aurore Angula. Aurore Angula, elle connaît tout. Aurore vous dit souvent que Coco, elle, ici sur la toile là, elle connaît tout. Elle peut te sortir les choses de 2009 ou de 2008. Elle peut même te sortir les choses même que toi-même tu ne connais pas. Moi je connais tout. Maman Katino est sortie. Hein, j'ai publié la dépouille de Lucas qui m'a envoyé. Hein? Les qui ont filmé Lucas. Il y a Dana Fadima, il y a Petit l'Américain. C'est eux qui ont porté le cadavre de Lucas pour aller mettre dans un hôpital dans le quartier. Petit l'Américain a pris les photos. Il a envoyé à qui? Qui a envoyé à qui? Voilà, donc vous allez vous en vouloir vous-même. Lucas, quand Lucas est mort, Petit l'Américain est arrivé avec Dana Fadima. Il n'était que deux dans la maison. C'est eux qui ont fait la photo là. Moi, je suis Dieu pour...
pour avoir la photo du frère Eddie Ponce qui est mort sur son canapé. Hein? Et qui a publié ça en premier. Oui, il n'a fait que relayer la photo qui a été publiée quelque part. Moi aussi, j'ai pris. D'ailleurs, la photo là, quand elle est publiée, on voit très bien. Pape, où ça a été publié. Tu parles de quoi? On dit de quoi? On a empoisonné Katino. Toi, Bamileke de luxe, on a empoisonné Katino à Planète Ponce. Katino est sortie ici, elle a parlé devant tout le monde que pourquoi tu empoisonnes tous les artistes, pourquoi tu veux seulement que c'est toi qu'on voit, pourquoi. Katino a été empoisonnée dans Planète Ponce. Heureusement, elle avait bu, elle nous avait dit qu'elle avait bu ou c'est lui de Palme ou c'est quoi. Et le jour-là, quand elle parlait, le gars qui était assis à côté d'elle, là, c'est le neveu de Lady Ponce. Oui. Donc quand toi-même tu as l'habitude de faire aux membres de ta famille et que maintenant eux-mêmes ils sortent aussi, ils te font derrière, il faut en vouloir aux gens de ta famille, n'en veux pas aux gens de dehors. On a empoisonné Maman Katina à Planète Ponce. Amadou Ahidjo a été empoisonné à Planète Ponce. Beaucoup de musiciens camerounais qui sont allés chanter là-bas ont été empoisonnés. Beaucoup qui sont allés chanter là-bas, là, ça dit, leurs carrières sont finies. Oui. Tu parles de quoi, Bamileke de luxe? C'est toi qui es derrière le profil. Parce que le genre que tu défends, Planète Ponce, là, c'est parce que c'est toi qui dirigeais Planète Ponce. Et c'est toi qui es derrière Lady Ponce. C'est toi qui vis dans la maison de Lady Ponce. C'est toi qui filmes Lady Ponce. On te voit dans la voiture avec lui. Et c'est toi qui es derrière ce faux profil, Bamileke de luxe. Et tu es arrivé il y a quelques mois ici par le biais d'une association qui est le copain de Nindang, ou c'est Nindang, le Bassa, là, de Lady Ponce. Hein? Leurs trucs qu'ils ont au Cameroun qui font voyager les gens là. Vous serez dénoncés ici, mais vous cherchez les problèmes à qui? Gommez-moi de votre cerveau. Arrêtez de mentir sur moi. Ne mentez pas. Parce que dès que vous mentez sur moi, elle va encore, fouiller vos choses. Elle va venir en public, elle va dire. Donc toi, Bamileke de luxe, je sais comment tu es entré ici. Je connais l'association qui t'a vu. Je connais quand ils ont fait leur association, comment ils ont installé et tu et tout machin. Je connais tout. Il peut dénoncer tout ça là. Où tu es assis là chez Lady Ponce là et tout et tout. Elle a le droit de garder un sans-papier chez elle. Est-ce que tu sais que c'est condamnable par la justice? Si je vous dénonce là maintenant, j'ai votre adresse. Je la dénonce. Parce que vous êtes là, vous voulez toujours que les gens vous fassent du mal. Hein? Toi tu es là derrière un faux profil. Vous harcelez la fille de celui qui ne vous a rien fait. Vous voulez maintenant la jeter à la vindicte populaire pour dire que oh, c'est elle qui me dit. Elle me dit quoi? Elle me dit rien du tout. Hein? Attaquez-vous à Proté. Tu es venu dire que Proté est un gros pédé. Donc, quand il va encore sortir, nous, on reste tranquille, on ne dérange pas Proté. Hein? Parce que vous avez pleuré. Vous avez poussé la mère de Proté à pleurer. Vous avez poussé toute la famille et tout et tout machin. Qu'on dérange le petit enfant là et tout et tout. Alors qu'il voulait venir se libérer d'un fardeau qu'il porte depuis des années. Vous l'avez empêché de porter, de parler. Donc, si toi, maintenant, tu viens insulter gros pédé, il dit au Cameroun qu'il n'est jamais un gros pédé. Parce que dans votre camp, tout ce qui sort de vos bouches là, c'est seulement pour détruire, c'est seulement pour mentir, c'est seulement pour, ça dit, pousser les gens à manquer de respect aux gens. Parce que vous vous asseyez dans votre secte là, pour raconter aux Camerounaises qu'une valable fille comme moi, comme ça, que moi, je dors sous les ponts à Paris, et je n'ai rien, et je ne vaux rien, et je suis ci, et je ne suis ça. Hmm? Et comme les gens, des fois, ils n'aiment pas souvent aller chercher pour voir. Tu vas aussi voir une personne qui a venu m'insulter que, ah, quand tu n'as rien, eh bien, machin et tout. Si j'étais une fille que j'avais, je n'avais pas le cardio. Hein, c'est que vous m'avez poussé au suicide. Vous vous acharnez sur Kabel maintenant et tout, parce que vous pensez qu'elle est seule. Elle n'est pas seule. D'accord? Officiellement, je suis sa grande soeur. Et je te dis à toi que moi-même, je vis à côté, pas loin d'elle. Je vais démarrer ma voiture. Je prends une bonne bouteille de Margot et pas m'asseoir et manger sa nourriture bien. Et je me filme et vous mets la roha. Si vous n'êtes pas content, vous sautez, vous calez en l'air. Ça vous regarde, votre sale bande, on vous connaît. Vous avez déjà fini de faire au Cameroun. Maintenant qu'elle est venue ici, il faut qu'elle vienne encore s'attaquer aux autres artistes ici, aux autres chanteurs ici, en montant les sales histoires contre elle. Hein? Foutez la paix à Kabel. D'accord? Kabel ne m'a rien dit du tout. Kabel est mariée à cette famille. Même quand tu pars te marier à une famille, elle est mariée depuis quand? Elle peut connaître les vieilles histoires des familles depuis que tu es enfant, Lady. Depuis que tu es enfant et tout, les histoires de Ponce, puis là, ton nom, là, comment c'est sorti. Elle, c'est ton neveu qui connaît ça. Ce sont tes propres oncles, tes propres frères et sœurs qui ont raconté l'histoire là dehors. Tu parles de la dépouille de Lucas. C'est petit l'Américain et Dana Fadimatu qui était dans la maison quand Lucas est mort. C'est eux qui ont porté le cadavre de Lucas pour aller déposer dans un petit dispensaire au quartier.
Donc, c'est eux qui ont fait les photos. D'accord? Voilà. Mais même si on dit que je suis sorcière, moi, je dis qu'un sorcier qui va aller prendre le cadavre de ton frère qui est mort chez toi. Donc, arrêtez. D'accord? Arrêtez de vous attaquer aux gens. Lady, tu arrêtes. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé te mettre avec les papas au Cameroun. Les papas que toi, tu nous vois, nous-mêmes, nous sommes de leur famille. Beaucoup qui me regardent là sont des familles, qu'ils ont les familles qui sont les membres du gouvernement. Mais mieux, beaucoup font le ménage ici en Bénin. D'accord? Elles économisent et tout, elles sautent même le micro, elles mangent le kebab tous les jours s'il faut pour économiser pour aller au Cameroun. Elle ne va pas, hein, se frotter aux membres de sa famille là, ou bien elle dit que ouais, présentez-moi aussi au ministre, présentez-moi aussi, non. Je veux aussi, non, je veux aussi ça, je veux aussi ça. Non! Ils préfèrent vivre leur vie, éviter ces gens-là. Ah oui? Parce que quand ils arrivent là-bas en haut, ils ne sont plus des personnes. Ils sont plus comme, même si tu les as connus avant, ils ne sont plus pareils. Donc, si tu vas à côté d'eux, ça veut dire que tu marches avec eux dans leurs choses. D'accord? Et quand tu marches avec eux dans leurs choses, ne les trahis jamais. Ne les trahis jamais. Parce que si tu trahis, ils vont finir avec toi. Et c'est ce que tu as fait. Ah oui? Parce que nous, on t'a vu ici. Quand tu montais les premières classes et tout, quand tu transportais l'argent pour l'Amazonie, quand tu transportais l'argent pour la base ici, pour qu'on casse les ambassades et tout, qui pourrait te parler? Tu as porté plainte au moins à 10 chanteuses pour les histoires de Congossa. Maintenant, tu penses que tu vas venir ici en France, comme tu n'as plus d'accès au Cameroun, que tu as un mandat d'arrêt là-bas au Cameroun, tu vas venir t'attaquer aux Camerounais ici? Attention, maintenant, on va te livrer aux Français. Et eux, ils vont te... Tu as vu ce qui est arrivé au Gabon, non? On voit les libérés, machin, ils s'appellent comment? Celui qu'on a arrêté au Gabon, là. C'est ce qui va se passer ici avec toi, Lady. Parce que le gouvernement camerounais a décidé maintenant de demander qu'on escrade les gens qui dérangent. Donc, tes discours que tu fais maintenant, quand tu pars faire tes concerts, là, et tout, machin, tu seras rapatrié vers le Cameroun. Moi, je te dis ça. Donc, où tu es là? Si tu connais même, évite la justice française. Évite. Parce que mon problème que tu m'as amené en justice là, ça va se retourner contre toi. Oh ah. Parce que même si je dis que je laisse, les gens ne vont pas laisser derrière. D'accord? Donc je te dis ça. Donc arrête de t'attaquer aux Camerounais. Arrête de monter tes gens pour essayer d'humilier, de saboter les Camerounais. Tu n'es pas en position de chercher les problèmes aux gens. On en a marre de tes mensonges. On en a marre de tes manipulations. Tu as chié ce que tu as chié au Cameroun, là-bas, le gros caca. Où tu es assis là, où tu es assise là, les gens ne connaissent pas ce que tu as fait au Cameroun. Hein. Mais tu as les gros problèmes là-bas. Et je vais te dire que ce qui est arrivé au Gabon avant-hier, qu'on a escradé l'autre là. Qui dit Gabon, dit Cameroun. Qui dit Cameroun, dit France. Donc on va t'escrader. Parce que où tu es là, on te veut au Cameroun. Il t'a dit hier que tu seras même en plein concert comme ça, on va venir te prendre. Il t'a dit ça. Et quand il t'a dit, c'est ça. Tu parlais, dit que je suis un pion du gouvernement et tout, comme tu racontes et tout. C'est ton problème, maman. C'est ton problème. Il t'a dit que même en plein concert, on va te prendre. Donc, ça ne sert à rien de t'acharner sur Kabel Belinga. Pour mettre les Camerounais sur Kabel Belinga, comme tu les as mis sur moi avec le mensonge. Kabel ne te doit rien. D'accord? Et toi-même avant Kabel, Kabel au moins, elle a même duré dans son ménage. Moi, j'ai du respect pour elle. Toi, tu t'es marié. Tu n'as même pas fait 3 semaines. Tu n'as même pas consommé ton mariage pendant 3 semaines. Tu es parti faire les bambas au Cameroun. Tu peux parler à une fille que elle quitte ici, selon ce qu'on m'a raconté, qu'elle quitte souvent, elle part au Cameroun. Elle s'assoit au Cameroun des mois pour vivre là-bas. Tu pianotes avec tes deux comptes, Bamileke de luxe. Un coup tu viens avec le pater du quad, un coup tu viens avec le pain gans. Parce que c'est toi les deux profils là. Et t'explique pourquoi est-ce que je sais que c'est toi. Parce que l'autre jour, tu venais te pavaner ici devant nous, c'est tu vas voir au tribunal, rendez-vous au tribunal, et tout. Depuis qu'on vous a montré le feu, mon avocat vous a montré le feu là-bas au tribunal, tu ne parles plus du tribunal. Maintenant, tu viens avec les sales insultes et le mensonge. Tout à l'heure, tu m'as dit là-bas que, oh, moi, je suis une éternelle mendiante. Moi, j'ai déjà mendié ici sur Facebook. On a vu.
Tu vois, tu fais croire aux gens que je suis une éternelle mendiante, comment je dors à la rue, comment je suis SDF chronique, comment machin et tout, tout. Voilà, la même chose que vous venez vous raconter sur Kabel Belinga, vous avez tout dit sur elle. Et vous avez toujours le mot sida dans la bouche. Kabel a le sida, Kabel a si, et Coco a les quatre lettres. Tout le monde, ça dit, vous ne sautez que les scénarios machiavéliques, comme nous on voit quand Lady Ponson l'attrape avec ses faux profils là. Elle n'a que les scénarios bizarres, normal. Elle enterrait les poupées vivantes quand elle était petite. Elle dit bien poupée vivante, hein, ce n'est pas poupée. Elle dit poupée vivante. Donc, depuis qu'elle est petite, pour elle, la poupée est vivante. Donc, la poupée est déjà comme un être humain. D'accord? Elle est venue ici sur l'affaire Madeleine Zoko. Oh, on a coupé les mimbans. On a mis le bâton derrière la fesse. Derrière les fesses. On a percé les yeux. Que des scénarios marqués. Ça dit que des choses de sorciers. Ouais, voilà, dans ce monde de sorcières là. D'accord? Donc, on va. Non, non, non. Je dis, c'est à Lady Ponce qui verra. Attends-toi aux impôts. Attendez les impôts. Ici, c'est le fisc. Hein, ça rigole pas. Vous êtes dans les petits que. Machin truc. On demande ça, on demande ça. Elle, c'est le fisc ici en France. D'accord? Et je vais te dire, ce discours qu'elle tient là, elle sera escradée vers le Cameroun. C'est moi qui te dis. Ce n'est pas vos petites menaces que vous menacez là. Et ne supprime pas tes commentaires, le pâté du quoi, ça ne sert à rien de supprimer. C'est pour ça que spirituellement, je vous domine. Je vous domine de nuit comme de jour. Parce que là, tu es obligé de venir en faux profil. Et dès que tu commentes, tu effaces. Ça veut dire que je te domine. Et je vais vous dominer partout. Votre clan là, vous vous levez, vous partez. De jour comme de nuit, je vous domine. D'accord? Voilà. Ça fait des années que je dis à votre personne là que donne-moi mes affaires. Elle ne donne pas, elle fait le hop. Nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes où? Interdit au Cameroun. Les concerts là, c'est déjà seulement dans les bars. Les associations. Continuez. Votre père Satan vous trompe. D'accord? Et en passant, si je ne fais pas les directs, c'est que ce sont les vacances. Je suis toujours avec mon fils. Et je suis occupée. D'accord? C'est pour ça. Là, ce sont les vacances. Moi, j'ai affaire. Et je viens d'aménager. Je suis en train d'aménager le petit chez moi, là. Petit à petit. Donc, j'ai affaire. C'est ça. Mais ne mettez pas mon nom dans vos conneries. Ne mentez pas sur moi, parce que quand vous mentez, il va sortir. Dis la vérité, vous aurez honte. Parce que les Camerounais maintenant savent que je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir, ça ne m'apporte rien du tout et ça ne me sert à rien. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Voilà. Je préfère dire la vérité qu'on me déteste parce que j'ai dit la vérité, mais que mon Dieu me bénisse parce que j'ai dit la vérité, parce que je suis venu sauver la vie de sa créature sur terre. Voilà. Ah, moi, celui-là. Tu ne parles plus, tu envoies seulement les émoticônes. Une cochonne, c'est ta mère qui est une cochonne et qui plonge dans les caca. Oui, tu as reçu une éducation de merde dans les, c'est-à-dire dans les poulaillers, les porcheries. Voilà, ce qui fait que les caca de porc là, et tout, ça dit, ont imbibé ton cerveau et toute ta vie. Donc, tout ce qui sort de votre truc là, c'est que de la merde, vous voulez pourrir les vies des Camerounais. Vous n'allez jamais pourrir la vie d'une Camerounaise en utilisant mon nom ou bien en mentant que c'est la Camerounaise qui me dit les choses. Lady Ponce, dans ta première famille, dans ta propre famille, on te soupçonne d'avoir tué au moins 6 personnes depuis 2000. On a dit quoi? Depuis 2000, 2004, je crois, comme ça. On te soupçonne d'avoir tué au moins 6 personnes. Tu as mis le caca dans la nourriture? Bien sûr, voilà. J'ai mis le caca dans la nourriture. Oui, tu as dit aujourd'hui que j'ai mis le caca dans la nourriture. Lady Ponce a mangé. Oui, elle a bien mangé mon caca. Elle adore ça, ses enfants aussi. Elle aime la scatologie. Voilà. Regardez alors les. Voilà le truc. Hein. Voilà les scénarios. Vas-y, dis-nous, à part le caca, il y a quoi? À part le caca dans la nourriture, il y a encore quoi? Voilà le truc. Et ils sont tellement sûrs que, avec ça, ils vont effrayer les personnes comme nous, comme ça, que nous, on affronte la vie. Je t'ai dit à toi, Lady, que quand toi, on t'a élevé, on t'a appris la soumission. Donc, avec les scénarios comme ça, genre, ouais, on met les caca dans la nourriture, parce que tu penses que quand tu vas dire que je mets les caca dans la nourriture, mes clients ne vont pas acheter ma nourriture.
Parce que votre chienne, sale fille d'Amazon, dit que y a même la poudre de caca. Donc moi, c'est grave même. Il y a les condiments en caca. Il y a même la poudre de caca. Donc moi, vraiment, tous mes condiments et tout, j'ai déjà trafiqué et tout jusqu'à faire la poudre de caca qu'elle met dans la nourriture. Vous pensez réellement que quand vous allez dire ça, elle va perdre ma clientèle? Hein? Vous voyez? C'est ça. Et quand vous faites ça, vous pensez que vous allez réussir dans la vie ou bien que vous allez travailler? Vous ne pouvez pas travailler. Dieu va enlever petit à petit. Petit à petit. C'est pas la peine de supprimer ton commentaire, hein? Mais tu as déjà en feu et te dit, The King, c'est pour ça que je suis sorti, qu'on laisse Kabel tranquille. Ce n'est jamais Kabel. D'accord? Et vous qui défendez Lady Ponce, là, elle m'a volé 65 millions à la hauteur de 65 millions, donc 100 000 euros. Au moins, ceux qui me connaissent vont vous dire que mes sacs à main, mes bijoux, mes montres, que c'est les vrais hommes, les vrais blancs qui m'achetaient en Suisse. Mes affaires et tout. Je ne compte pas maintenant que mon matériel professionnel, les effets de mon fils, mes diplômes. Donc quand vous vous mettez, vous parlez, il faut que Dieu vous incendie un peu votre maison là un jour. Vous vous retrouvez sans rien. Comme ça, avant de parler ou bien de parler de mon histoire, vous allez réfléchir. Ça fait 3 ans jour pour jour. J'y ai là, aujourd'hui là. Voilà. On verra, tu iras en prison. Hé hé hé! Hé, regarde-moi quelqu'un, on verra, tu iras en prison. Pour qui? Pour une voleuse? Pour une fille que elle a trafiqué son acte de naissance, ce n'est pas son vrai âge. Elle-même, on a des vidéos, attends un peu le patin du quoi. On a des vidéos où Lady Ponce avoue qu'on a coupé son âge. Ça veut dire que ce n'est pas son vrai âge sur ses papiers. Donc, ses papiers sont faux. D'accord? Le monsieur qui a reconnu ses enfants, c'est un faussaire. Il a reconnu au moins 20 enfants ici en France. Il n'y a aucune place où il a versé une pension alimentaire, même 1 franc, sur les enfants de Lady Ponce, dont Ngono Cédric et Ngono Manouchka. Aucune place. D'accord? Et comme il était en prison, donc on a son ADN. Je t'explique un peu, parce que je pense que tu penses qu'on est au quartier ici. Donc on a son ADN. Quand on va faire les tests d'ADN à ces enfants-là, on va trouver qu'il n'y a aucun lien de parenté, qu'il a menti. Donc les papiers-là seront annulés et dissous dans le pays, la France ici. Et les papiers de Ngono, Adel Rufine, supprimés, annulés et tout, elle sera escradée vers le Cameroun. C'est elle qui va aller à Kondengi. On t'a dit qu'ici en France, on va condamner pour une menteuse comme ça, qui vole le fils. Hein? Vous rêvez, hein? Voilà quelqu'un. Ton père Satan te fait vraiment rêver. Il s'est dit que tu iras en prison. Pour une voleuse de fisc comme toi. Une fille qui vole le fisc. Ah, tu mettais les caca, on verra, tu dois arrêter ça. Regardez-moi quelqu'un. Vous savez, vous n'avez plus rien. Vous savez plus quoi dire, quoi faire sur moi. Une personne d'entre vous a dit que moi, je donne les cours à Satan. Non, non, non. Moi, c'est Dieu qui agit en moi. Et Dieu m'a dit, repars. Comme elle a voulu te tuer, elle a voulu t'exterminer, va l'exposer. Et c'est ça, je t'expose. Je te présente aux yeux du monde entier. Dis même que j'ai donné le caca au ministre. Parce que le ministre dit que, hein, oui, le Rwanda est mort ici à Paris, c'est moi qui ai préparé 1500 personnes. Dit que c'est les caca, il y avait les verrines de caca, les brochettes de caca là-bas. Dis ça. Parce que dit que les diponges ont mangé les caca, c'est petit. Donc ces enfants ont mangé mes caca là pendant 2 ans. Mais au moins ils ont eu les bonnes nouvelles. Hein. Ils ont eu les bonnes notes à l'école, les 19 et demi. Ça veut dire que mon caca, vraiment, c'est un bon caca. Hein. Et quand elle était avec moi, c'est là qu'elle sortait avec tous ces ministres au pays là. Ça veut dire que mon caca là, c'est vraiment un bon caca. Hein. Ah oui. Ça veut dire que mon caca est bon. Hein? Tu mettais le caca en poudre, coco. On verra, tu dois arrêter ça. Il doit arrêter quoi? De mettre le caca dans la nourriture. Tu parles car le caca qui donne les 19 de moyenne, 19 et demi de moyenne aux enfants, les 10 ponce. Et qui fait que les 10 ponce rencontre les ministres au pays pendant que moi, elle me tape ces gamins ici. Tu veux qu'ils arrêtent de. Il a même commencé à vendre le caca, à laver même les gens avec mon caca. Puisque c'est un caca en or. Bande d'idiots. Vous pensez que vous pouvez faire ça à qui? Moi, je ne suis pas à vos nyama nyama que vous faites là. Il dit que je suis le pire cauchemar de Lady Ponce. Et elle le sait. Et elle ne peut pas ici en France. Elle va la coincer jusqu'à vous les Camerounais. Vous allez dire que je suis mauvaise. Oui. Parce que quand elle m'a fait là, vous n'êtes pas sorti.
Vous allez croire en ces mensonges, vous allez sortir, vous allez commencer à me vilipender comme vous voulez vilipender Kabel là. Parce que je passe sur le mur de Kabel, je vois les gens qui disent, tu devrais avoir honte, tu te vantais avec ton mariage ici. C'est le premier mariage qui échoue, encore qu'on n'a même pas les enfants. C'est le premier mariage qui finit. Hein? Voilà l'autre femme qu'on a tuée l'autre jour, que le gars a coupé la machette là-bas à Bafoussam. Parce que ça n'allait plus. Elle avait les enfants. Le gars lui a fait comprendre depuis qu'il ne veut plus. Mais elle a voulu rester parce que vous êtes là dans vos mariages, vous venez parler à Kabel alors que vous êtes là dans vos mariages, vos maris ne veulent plus de vous. Vous ne partez pas parce que vous avez peur du candidaton. Elle au moins, elle a le courage de partir. Elle s'en fout du candidaton. Elle n'est ni la première, ni la dernière. D'accord? Qui divorce. Encore même qu'elle n'est pas encore divorcée. Je l'ai entendu écrire ça à une personne que... qu'elle n'est même pas encore divorcée. Nous, on la voit dans ce truc, elle porte même encore son alliance. Ça veut dire que c'est une femme qui aime le mariage. Ça veut dire que c'est une fille bien. Et elle est belle même. C'est une fille de Yaoundé, sainte même et tout, machin. Tu vois, un peu raconter sa vie là, qui chantait et tout. Je voulais t'envoyer où? Le pâté du quoi? Donc maintenant, tu me connais quoi? Je voulais t'envoyer. Ouais, regardez comment ils sont en train de. Moi, j'ai rendu les gens si pas vrai. Maintenant, il dit que je voulais l'envoyer. Je voulais t'envoyer où? Dis-nous. Dis-nous, oh, je vous ai rendu bête. Hein. C'est mon type qui a raison de dire qu'il faut que je vous laisse. Je voulais t'envoyer les marabouts et les marabouts ont tourné contre moi. Tu peux nous dire, explique-nous un peu. Les marabouts ont tourné contre moi là, et il y a quoi qui se passe dans ma vie? Il y a quoi qui se passe? Quand on voit ma vie, on voit la vie de Lady Ponce. Qui souffre plus que l'autre? Ne la suivez plus. Vous suivez quoi là-bas? De qui mon petit frère adoré? Ne la suivez plus, c'est une sauvage. Je voulais t'envoyer quoi? Le pater du quoi? Dis-nous, je voulais t'envoyer quoi? Et t'as dit que moi-même, je suis marabout. Et t'as dit ça. Pas besoin d'envoyer les marabouts sur vous. Moi-même, je suis marabout. Quand vous allez faire là, je ressens, je vous renvoie. Pas. Comme vous m'avez volé là, j'ai dit que je récupère tout d'elle. Et je vais tout lui prendre. Elle va tout perdre. Quelqu'un me disait hier les États-Unis qu'elle a déjà perdu plus que toi dans l'affaire. Elle dit que non, elle n'a même pas encore perdu. Elle pleure partout. Oh, Coco m'a tué. Oh, Coco la go, Coco la go, Coco la go. Coco la go t'a tué et tu continues sur Coco la go. Tu m'as dit quoi à la maison de Lady? Dis-nous non, elle te dit quoi? Dis-nous. Voilà les choses qui veulent partir. Ils ont dit qu'ils vont amener les enfants, dit que moi je couchais avec les enfants. Vous avez de ces scénarios. Dis-nous ce que je t'ai dit. Pater du quoi? Déjà tu as un faux profil. Je t'ai dit quoi? Dis-nous, nous sommes connectés, on a le temps cet après-midi. Dis-nous, je t'ai dit quoi? Et derrière le faux profil que vous voyez, si c'est le gars qui vient avec les dieux, qui gérait son cabaret prenant au Cameroun, qu'on appelle Bamileke de luxe là. C'est lui qui est derrière ce faux profil. Écoutez le mensonge, il dit que moi, il lui a dit quelque chose dans la maison de Lady. Il est arrivé, on va dire, ça fait 6 mois qu'il est arrivé en France par le réseau d'une association que le copain de Lady, le voilà, il dit que moi, il lui a dit quelque chose dans la maison de Lady. Vas-y, dis-nous, pater du quoi, on sait que c'est toi, Bamileke de luxe. Vas-y, dis-nous. Je t'ai dit quoi dans la maison de Lady? Raconte-nous le scénario là, j'ai un peu de temps. Tu as prié que j'ai piné le copain de Lady. En bordant, elle avait un autre copain. Lequel? Lequel copain que j'ai piné? Le copain de Lady que j'ai piné là. Donne-nous, peut-être que son nom ne figurait pas dans la liste. C'est pour ça qu'on a dit que la liste là, il n'y avait pas tous les hommes de sa vie dedans. Mais comment tu dis nous sommes au courant? Tu dis que tu étais avec moi, tu dis encore que vous. Mais vous êtes bête dans votre truc. Mais c'est toujours moi qui vous rend bête comme ça. Tu viens dire que j'étais dit dans la maison de Lady. Maintenant, tu viens dire que nous sommes au courant. Tu dis que j'ai piné le copain de Lady. Lequel? Parce que peut-être son nom ne figure pas dans la liste là. Parce que la liste que Pota a sorti là, et tout, il manque au moins 10 ou 20 shows là. Donne le nom du show que j'ai piné dans la maison de Lady là. Donne-nous le nom. La fille de mon père, là, ça ne me manque du tout. Mais bon, ben là, il va même au courant, ça va sortir de ce scénario. Que... Wouhou! Très fort. Allez, chérie, on va faire les courses. On y va. Alors, on a quoi sur la liste?
pris. Ils sont en bruit, tandis que le king a fini avec. Tomate. D'accord. Aile. D'accord. Oignon. D'accord. Sopala. D'accord. Huile. Oui. Frites. D'accord. Steak. Oui. Beurre. Oui, beurre. Pain de mie. Ok, mon père. Écoute, on va acheter ça. Hein? On va acheter ça et puis on rentre. Aïe, aïe, aïe. Mon mari est bon. On prendra ton argent tout. La matière du quad. Regardez-moi l'autre sale fille Bami ici. Une sale fille Bami, toi, la matière du quad. Tu as quitté les cloches avec tes sales soeurs. Saleté avec l'eau fesses. Tu coupes mes vidéos, tu mets sur ta page, tu penses qu'on va venir m'insulter là-bas. Saleté. Sale fille, mais dimanche août, ils boivent, ils ont mené dans une porcherie. Ce sont les sales filles, un sale clan, les sales personnes, Bami comme toi, comme ça, qui font que les gens ont les problèmes sur Facebook de tribalisme. Une sale fille comme toi. Je n'ai jamais vu une sale fille comme toi, vraiment. Regarde-moi quelqu'une, tu veux te frotter à moi depuis. Parce que j'ai vu tes vidéos. Hein. Toi, la matière du code là. Tu coupes mes vidéos, tu mets sur ton mur. Tu n'as même pas 20 likes là-bas. Saleté. Je ne m'intéresse même pas à toi. Parce que si elle m'intéresse à toi, elle va te faire fuir les réseaux sociaux. Comme tu veux te frotter à moi. Attends le tribunal. Et tout, saleté. Tu es votre bande là, vous allez la partir avec qui au tribunal, on a vu. Votre soeur, imagine que comme au tribunal ici, même avec les Congolais, monte, descend, on lui a rien fait dans ce pays-ci. Vous pensez que c'est à moi que vous allez faire quoi? Une sale bande comme vous, bande d'escrocs. Vous pensez que j'ai un franc pour vous? Hein? Vous avez les avocats? Vous êtes parti prendre un petit Tunisien là-bas à Paris parce qu'il ne sait pas qui vous êtes. Mais lui va recevoir des appels et quand il va voir qui vous êtes, comment vous vous comportez sur les réseaux sociaux avec le mensonge, il va déposer votre dossier là. D'accord? Voilà. Donc toi, ma terre du quadra, si elle te met seulement sur mon mur, 48 heures qu'elle m'occupe de toi, tu vas fuir les réseaux sociaux. Je ne suis pas ta gnam seule là, que tu fais les clashs avec elle. Tu ne m'as jamais vu sur ta page. Je ne te connais pas. Je ne me mélange pas aux souillures de ton espèce. Parce qu'une femme comme toi qui est dans le Congo, ça, elle vit, je ne sais pas où. Ça se passe en Belgique, elle est déjà partie couper la vidéo, elle a mis sur son mur. Ça se passe aux États-Unis, elle a déjà coupé la vidéo, elle a mis sur son mur. Ça se passe en Afrique, elle a déjà mis saleté. Tu veux te frotter à moi? Quand tu me regardes la chute de ton acabit? Hein? Parce que quand vous allez fouetter vos crânes momifiés à l'ouest là, on ne vous dit pas qu'il y a les enfants qu'il ne faut pas toucher ici dehors. Vous allez amener le tribalisme sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'une fille Ewondo ne peut pas briller. Quand les connasses comme Lady Ponso comme ça se mettent avec vous, hein, vous les poussez à aller faire du mal à leur soeur. Et demain, après demain, elle va se retrouver seule. Vous allez la jeter parce que ça, c'est votre travail. Utilisez les filles Ekan contre les autres filles Ekan. C'est comme ça que celui d'Anango a pris la vidéo de Chacha à la bourgeoise hier. Une vidéo où elle parlait seulement. Elle n'a même pas mentionné Malène Mvutu dans la vidéo. Mais Anango a pris la vidéo là, allez mettre sur son mur. Genre dit que, oh, voilà une fille Ekan qui insulte sa fille Ekan. Vous pensez qu'on n'a pas vu vos manipulations là? Parce que vous voyez que 2025 arrive, vous pensez que vous allez museler les gens? Je vous emmerde, toi, la matière du quad, avec l'eau dans tes fesses remplies avec les asticots. Salope. Frotte-toi à moi. Frotte-toi à moi. Tu penses que parce que tu as les gars qui ont les faux profils, tu as tout que vous allez vous mettre, peut-être ça touche, ça me touche dans ma vie. Quand tu m'as vu là, vos insultes et vos trucs là, ça enlevait quoi dans ma vie? Rien du tout. Donc saleté, souillure, va d'abord apprendre à bien te laver avant de venir te frotter à moi. D'accord? Voilà, nous ne sommes pas du même acabit. Va traîner avec tes soeurs que vous faites les clashs là-bas, c'est votre niveau là-bas. D'accord? Tu ne peux pas te frotter à moi. Tu es une souillure. La fille Bamileke la plus sale du Cameroun, c'est toi. Quand on ne voit pas que tu te mets devant la caméra, là, que tu es un peu clair, là, on pense que tu es pauvre. Tu es sale. Tu es sale jusqu'à. Hein? Toi, tu peux te frotter à moi. Tu penses que j'ai peur de toi? Juste que tu ne m'intéresses pas, parce que c'est une perte de temps. Hein? Ouais, je te rappelle, je suis en direct là, je te rappelle, je suis allée faire des courses du côté de Chantilly là. Ah non, non, je suis dehors. Attends, je te rappelle, donne-moi 5 minutes, je finis mon direct. Hein? Donc, sale fille, la matière du quoi, sale fille, Bami,
C'est toi qui fais qu'on insulte les autres bamis ici dehors. Heureusement que moi, ma propre petite soeur, mes mariés aux bamis, j'ai les enfants avec les bamis, les bafans, mais ils ne sont pas comme toi. Les vraies filles bamis qui sont de la Coco Gang sont là. Mais les saletés comme toi, là, les souillures comme toi, qui ont reçu des éducations, des caniveaux, des porcheries, que vous arrivez avec vos sales congossois, que vous avez été élevés là-bas dans la saleté avec les caca de porc, vous arrivez sur les réseaux sociaux, ta vie se résume, c'est-à-dire ton contenu, c'est seulement que tu prends. Hein? Tu prends les vidéos des filles qui se chamaillent aux États-Unis, tu viens, tu mets le Congo ça. Tu prends la vidéo de celles qui se chamaillent en Belgique, tu mets. Celles qui se chamaillent en Angleterre, tu mets. Celles qui font en France et tout, tu mets. Tu vois ton contenu, idiot de ton acabit. Sur moi, tu me peux. Un tombongwani karanama, tu as pensé que tu peux te frotter à moi? Hein? Parce que je vois tes choses là. Elle coupe, hein? Allez sur son mur, vous allez voir. Elle coupe les vidéos, elle met, ouais, regardez la sorcière si, ouais, elle va tuer Lady Ponce, machin, comme si vous aimez Lady Ponce, vous là. Hein? Vous ne l'aimez pas, vous voulez juste l'utiliser contre ses soeurs, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça que nous, on ne lui a pas encore porté plainte. Ah oui? Moi, je suis capable de décrire la vie de Lady Ponce ici. Mais l'insulte sera parce que moi, ses enfants sont mes enfants, contrairement à vous que vous utilisez les gens. Mais bilan. Ton femme là, quand t'as de Dieu, elle a supprimé ses commentaires. Mais dimanche août. Hein? Mais puis, bon, elle me dit, mais quoi, ce papa? Tu as la chance parce que. Ouais. Mais vous, on dit, reviens encore dans mon direct un jour si tu es une fille. Je vais te chromatiser. C'est-à-dire, tu vas d'abord supprimer toutes mes vidéos de ta page. Tu ne vas plus jamais mettre une. C'est-à-dire, couper seulement. C'est-à-dire, quand tu vas voir mes choses, tu vas seulement ignorer sur la toile. D'accord? Donc ne te frotte pas à moi. Ok? Parce que moi dans la nuit, j'ai inspecté le profil du pater de quoi? Le pater du quoi? J'ai vu que tu es son ami. Donc je vois que vous êtes la même bande. D'accord? La matière du quoi? Pour te dire que quand on dit que je suis l'ancêtre du clash sur Facebook, les faux profils ont été créés là pour moi. Le premier faux profil ici là, c'était Ndoumbé Paul César. Les Lisette Akwa, les Stéphanie Clonchon. Demande à tout le monde, toutes les guerrières, là, on va te dire, Flore arrive hier, hier. D'accord? Qu'on te dise pour qui les pages gossip, ce que tu as là, ont été créées sur Facebook ou bien les faux profils. Ils ont été créés pour moi. Donc moi, je vous repère tout de suite. Et vous êtes tellement bêtes. Hein, les caca de porc, m'indi mon goué. En l'eau. Saleté. Hein? Donc tu as ta liste d'amis, tu ne caches même pas. Donc du coup, quand on clique dans ta liste d'amis là, on voit exactement avec qui tu es. On voit que les faux profils qui insultent, les faux profils qui décrisent. Vous êtes partout sur les pages des filles étangs. Vous humiliez les filles étangs. Vous fabriquez même les faux documents. Vous racontez les fausses insultes. Vous pensez qu'on ne vous a pas vu? Parce que vous pensez qu'avec ça en 2025, comme vous vous préparez, là, vous faites les tontines du village et tout. Évitez-moi, hein? Je vous ai dit que si électron libre, même Paul Biya, même c'est que s'il avait 30 filles comme moi dans le Cameroun là, ce qu'il paraît s'asseoir en Bomaka, il boit les mendis, maison tranquille. Ne vous approchez pas de moi. D'accord? Ne vous approchez pas de moi parce que je suis prête où je suis là. Hey, ma soeur Rosette, tu veux passer la guerre, maman? Hey! Parce qu'au final, 2022, maman, le blanc m'a dit qu'il veut me voir dans les affaires des Camerounais. Hey! 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 Oui, on y va, chérie. T'as la liste, hein? Ne jette pas. Ok? Je vais poser. Tu l'as posée? Tu l'as prends, chérie? Je vais vous traiter, maman. Vous avez vu, je suis prête pour les gens si maman, ils ne savent même pas à quel point je suis prête. Ils pensent qu'ils vont aller, machin, pour me museler et tout. Tu penses que j'ai peur, maman? J'ai dit, hein, vous amusez avec le danger. Les dangers, j'ai dit que je suis prête pour vous. Les gens m'amusent ici, non? Tu sais, la matinée du quad, vieille chouette, connasse. Tu m'as vu? Je te ressemble? Dans ta famille, il y a une fille comme moi. Tu as déjà vu un membre de ma famille avec
un truc là sur la toile que c'est seulement le Congo ça. C'est mêlé des vies des gens. Hey, je vous ai dit que. Hey, machin, truc. Une sale fille d'amis qui s'occupe seulement. Vas-y, chérie. Vas-y, sois. Ouais, c'est ça va. Hein? Une sale fille d'amis que ta vie se résume seulement à faire le Congo ça. On sent une fille qu'elle mangeait seulement le taxi banane. Hein? Un arachide écrasé, arachide de 50, banane de 100, huile de palme de 25. Hein? De 25, tu as passé ta vie à manger ça. Tu viens te frotter? Hein? À une comme moi? Tu peux? On prend le caddie, chérie. N'importe quoi. Sur ce, mes gens, je fais les courses. Je vous dis à plus tard. Hein? Kim, Chloé, maman. Les gens là pensent qu'ils vont monter leur petit groupe là pour nous traumatiser sur la toile. On va vous montrer. Ah, fallait prendre une pièce dans la voiture, chérie. Les pièces sont dans la voiture. Le sac, si tu sais que j'ai changé de sac. Viens, va chercher la voiture. Hein? C'est grave sur Meta. Qui a clashé qui? Qui clash qui? Hein? Kim, laisse-moi celle-là. Oui, d'un 25. Voilà un gars. Hein? Ma tête du quoi, quand tu vois son Congo, ça qu'elle fait là, tu sens une gars que. Hein? Sa mère préparait. Hein? Là, elle faisait les repas avec 200 francs CFA. Mm-hmm. Le sale petit Congo, ça du quartier là. Genre que dans les cours communes, si toi tu prépares ta sauce tomate avec le riz, elle commence le Congo, ça. Hein? Voilà un gars que c'est contenu, c'est seulement un ramassis de Congo, ça de gauche à droite, elle veut venir se frotter à moi. Tu entends que. On se frotte à moi, tu te lèves aussi, villageoise de chez vous, élevée dans les porcheries. Hein? Et me dit mazout, il boit les hommes. Hein? Tu as la chance. Reviens encore te travailler dans mon direct un jour, tu mets seulement un commentaire. Je vais te donner ta dose. D'accord? Et supprime mes vidéos sur ta page. Hein? Je ne suis pas ton ami. D'accord? Voilà. Tiens, chérie. Vraiment quelqu'un. Allez, mes gens. Hein? Amazon insulte Lady. Elle insulte encore pourquoi? Est-ce que Lady l'a envoyé? Lady est au tribunal. Ce qu'Amazon fait. Amazon n'aime pas Lady. Moi, je vous dis. Amazon a le macabre de Lady, comme vous la voyez là. Elle fait semblant de défendre Lady. Elle fait semblant de défendre Lady, mais elle veut que Lady ait les problèmes. Parce que ce qu'elle a fait, elle a mis mon nom là. C'est parti au tribunal. Oui, non, c'est parti. Non, c'est que c'est elle qui envoie Amazon. C'est parti au criminel parce que moi, elle va aller voir Kabel. Elle va ajouter sa plainte à ma plainte. Et nous sommes dans le même canton. Oui. Kabel habite pas loin de moi. Oui, je me suis renseignée. Ouais. Non, attends un peu. Vous savez que quand tu as déjà été habitué, ça, Amazon insulte sa patronne. Maman, copie-moi ça. Hey! Oui, je suis dehors, Boramboy, brave. Quelle insulte, même propre. Ok. Mais Jean, je fais vite les courses, je reviens vers vous après. Et tiens, attends, hein. Hé, moi, j'ai un yélemé. Bien, Zang, bon, bon. Je dis que. Bisous, mes gens. Je ne sais pas quoi,